tente de faire appliquer une toute nouvelle loi anti-tabac. Regardez ces musclés. Bonjour, police nationale. Oui. Vous savez pourquoi je vous arrête? Non. Vous êtes en train de fumer, monsieur. Bah oui, c'est vrai. Vous fumez sur la voie publique. Oh bah non, on peut le droit de fumer dehors maintenant. Non, c'est interdit, monsieur. Oh bah ça c'est la meilleure, non mais la voie publique, les lieux publics, oui non. D'accord. Mais la voie publique est un lieu public. Non mais ça va où, là, vous allez où là? Bon, moi je vais vous verbaliser. Oh non, non, vous écoutez-moi. Et puis les pots d'échappement des bagnoles et des motos, vous arrêtez pas cela. Monsieur, on a reçu une plainte vous concernant. Moi? Pourquoi vous fumez devant des jeunes? Non mais, où c'est que vous avez vu ça, vous? J'ai reçu une plainte. Un monsieur avec un nez rouge qui fume. Ah ça c'est pas vrai, hein. Est-ce que vous fumez, monsieur? Non. Alors, je vais sentir vos doigts. Tiens. Vas-y, vous fumez, ils sentent la cigarette. Je ne suis pas fumeur. Vous avez fumé devant un jeune ce matin. Ben non, je fume pas, moi, je vous dis. Moi, c'est votre connerie. Écoutez, moi, si vous fumez, je peux pas vous laisser circuler. Mais je fume pas, moi. On a ramassé le mégot. Où? Il est au commissariat. Non, mais ça va pas. Hein. C'est un crime, maintenant, de fumer dans la rue. Tu vas prévenir mon avocat? Votre avocat, il fume ou pas? Oui, il fume. Si c'est un avocat fumeur, c'est très mauvais pour vous. Ah ben, moi, c'est mon avocat de défense. Écoutez, moi, je fais mon métier, monsieur. On est quand même 117 millions de Français en France. Oui. 117 millions? Hein? Si les 117 millions de Français fument... Ah ben, calculez, vous verrez bien la différence, combien il y a de Français qui fument en France. L'État français, il me fait rire. C'est interdit de fumer. Ça fait des années qu'on fume. Ils veulent interdire la clope. Pourquoi ces bâtards, ils les vendent? Ça vous dérange pas d'intoxiquer les jeunes? Oh, parce que vous voyez qu'ils ne s'intoxiquent pas tout seuls, eux. Avec les parents qui surveillent pas, avec le kick et les machins et le... Avec le quoi? Ouais, avec toute leur drogue, quoi. Bah, c'est de la drogue aussi. Vous n'avez pas le droit de m'interpeller comme ça sans rien à voir. Si vous fumez. Je suis dans mes lois. Et si vous collez. J'ai les droits civiques. Il y a 17 millions de fumeurs. Oui, mais vous m'interpellez pour une raison non valable. Vous êtes taxi? Oui. Un taxi fumeur, c'est 4 points. Je ne fume pas dans ma voiture déjà, c'est clair, c'est un lieu public. Là, je ne fume pas dans ma voiture. Et les gens qui montent dans ma voiture n'ont pas le droit de fumer. Il y a une affiche et c'est marqué. Non, mais puis quoi, vous allez où là? Et les bureaux de tabac, c'est vous qui allez les nourrir? Bah, mais non, monsieur, mais. Non, mais attendez. S'il y a un jeune qui respire votre fumée. Non, bah, et puis quoi? Arrêtez avec votre jeune qui fume la fumée. Les jeunes, ils fument à 12 ans. Hein? Et vous allez voir les bureaux de tabac qui leur vendent des clopes? Bah, pour les verbaliser? On m'a dit de verbaliser les fumeurs. Ouais, non, mais allez voir les gamins qui sortent des bureaux de tabac. Un peu. Non mais vous allez pas bien dans votre tête, vous, hein? Moi, je fais mon métier, monsieur. Bon, allez, tiens, il y a le train qui va arriver, j'ai du boulot. Alors, faites votre boulot. Allez emmerder les gens.